Amis internautes de Biel TV, bonjour et bienvenue dans cette une des journaux depuis le studio Abdallah Biel Tchari. Et vous êtes offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'Université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. À nouveau, bonjour. On démarre ce tour dans nos kiosques par le quotidien maison Le Béninois Libéré qui titre en manchette « Assemblée nationale de l'argent frais malgré le courroux LD ». Bonne nouvelle pour des députés UPR et PR. Talon a accepté de casser la tirelire. En deuxième de une de votre journal « Cybercriminalité », recommandation urgente de la police républicaine, ne plus acheter les portables et ordinateurs usagés. En troisième de une du journal Faits divers, un homme brûlé au troisième degré en voulant voler de câbles électriques. Le quotidien La Nouvelle Tribune, à présent, qui titre en manchette Bénin, éthique et politique, dos à dos. En deuxième de une, chez DIZ, de potentiels investisseurs français séjournent au Bénin. Le quotidien Le Martinal, qui titre en manchette « Mise en place du cadastre national, la collecte des données démarre à Cotonou ». En deuxième de une du journal « Inclusion sociale des personnes handicapées vers la démystification de l'autisme ». Titre Le Quotidien. On passe au quotidien septentrional Tabarou qui titre en manchette beurre de karité, processus de fabrication artisanale et vertu d'un fruit atypique. En troisième de une du journal Ministère du Travail et de la Fonction publique, Adjiatou Matisse défend un budget de 7,6 milliards de francs CFA pour 2024. Le quotidien Les Quatre Vérités titre en manchette conférence publique de la NCALB sur la problématique du franc et de l'écho. Les clarifications du professeur Victor Tokpanou. En deuxième de une du journal suivi de conformité des véhicules à 4 roues et plus au Bénin. José Tonato lance la plateforme digitale Sécuroute. La transformation digitale de l'administration publique aborde le registre des véhicules roulants. En troisième de une du journal, fin de sa deuxième mission d'apostolat à Lomé. Ma vocation et mon ministère m'appellent ailleurs. D'ici, le pasteur Simon à Glossou. Le quotidien Martin Libre, à présent, qui titre en manchette condamné dans la nuit du 6 au 7 décembre 2021, Joël Aïvo, 2 ans que ça dure. En deuxième de une du journal, après 1000 jours de détention, il est temps de libérer Rekia Madougou. L'appel de l'activiste sénégalais Aliouna Tine. En troisième de une du journal Mouvement féministe au Bénin, un forum scientifique pour une meilleure compréhension. En quatrième de une, forum agroalimentaire investissement à la GDIZ, le Bénin accueille plus de 30 investisseurs français. On passe au quotidien Le Potentiel qui titre en manchette faux dans les marchés publics. Détournement, corruption et autres magouilles, ça vole toujours dans l'administration publique. Renforcer le système de contrôle, un devoir pour Talon. En deuxième de une du journal,
performance dans le secteur bâtiment et travaux publics. Gareth Eden Salle couronnée meilleure entreprise en 2023. Son PDG Kevin Kandogo honoré lors de la soirée des Success Story Awards. En troisième de une du journal, soutenance de thèse de doctorat en sociologie militaire, le journaliste Fiak Fidjainou aborde le professionnalisation des FAB. En quatrième de une du journal Assemblée nationale, la séance plénière de demain reportée à une date ultérieure. On revient maintenant au quotidien Maison Le Béninois Libéré pour terminer cette une des journaux. En quatrième de une du journal Assemblée nationale, les clarifications du gouvernement sur les opérations de déplacement des populations de voilà, Kodji. Dans les colonnes, le journal titre Mauritanie, un ancien président condamné à 5 ans de prison ferme. Amis internautes de BL TV, ainsi s'achève la une des journaux de ce matin. Merci pour votre aimable attention et à demain pour un nouveau numéro.